ceux qui cherchent un drapeau, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président, candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, le peuple de Bukavu, représentation du peuple de la province du Sud Kivu, est présent pour vous écouter. Nous vous invitons au micro, avec tous les respects. Bukavu et Nyanya! Alitaka.
Il avait toujours eu l'habitude d'exploiter, de piller notre pays et de Tabia ya kuiba mali yetu na kuua raia wa Kongomani. Mais cette fois-ci, il a rencontré un fils du pays déterminé à le sauver. En effet, nos malheurs ont commencé lorsque, en 1997, l'HDL est entré en République démocratique du Congo pour que l'on disait de dictature. Shida zote zilianza mwaka 97 1997 ambao wakati HDL iliingia kwetu ikisema ati inakuya kututolea uhuru kwa kufatana na hiyo serijimi ilikuwaka hapa mbele. Au lieu de nous laisser tokea hapo waliua wa milioni na wa milioni ya wakongomani huku mashariki ya nchi yetu ya Kongo. Et personne dans la communauté internationale ne s'en émeut. Na hakuna hata moja katika nchi zote hizo za dunia ambaye aliweza kusema ati hiyo ni vibaya ama kufuatilia mambo hayo mabaya. Les Congolais sont abandonnés seuls. Ensemble, les terroristes des ADF qui sévissent dans le Grand Nord de l'Est de la République démocratique du Congo, dans la région de Beni particulièrement. Tokea nilisikilizana na nchi ya Uganda kwa jinsi majeshi zetu zitumike pamoja kwa kuweza kufukuza na kugombanisha hao wahuni wa ADF, basi shida zikaanzia hapo. Le président rwandais a réveillé les terroristes du M23. Hapo, président wa Rwanda akaamusha hawa wahuni maadui wanaitwa M23. Dès les premières attaques du M23 au mois de février 2022, l'année dernière, je lui ai posé la question très fraternellement de savoir si vraiment c'était ces troupes qui étaient en train d'attaquer mon pays. Il a complètement nié cela. Wakati tulisikia kama hao wahuni wa M23 wanaanza kufanya fujo huko, nikamuuliza jirani huyo wa Rwanda, nikamuuliza hiyo ni kweli ama ni uongo. Akakataa, akasema hajui mambo hayo. Mbili, wakati tulikutana huko Nairobi, wakati tunaanza mambo ya maongezi ya kutafuta amani, nikamuuliza mara ingine, nasema unajua hawa watu ama hawajui? Akakana kabisa kama yeye hawajui. Et depuis lors, le monde entier sait déjà maintenant que c'est le Rwanda qui est en train de déstabiliser la République démocratique du Congo à travers le groupe terroriste de M23. Pour l'heure, la dunia nzima inajua kweli kama hakuna tena siri, ni Rwanda ndio iko na tugombanisha, inavaa nguo na koti ya M23. Nous avons en vain demandé des sanctions contre ce pays qui se comporte de manière à déstabiliser toute la région d'Afrique de l'Est. Tuliomba mara na mara kusema waazibiwe hao watu wa M23 pamoja na Rwanda. Tuliomba waazibiwe ila mpaka hivi hakuna kitu kilicho kufanyika. Alors, comme nous n'avons toujours pas de réponse satisfaisante de la communauté internationale, nous avons décidé de prendre nos responsabilités.
Sandra Santi, tulipo na kama hawapendi kukuza, hawapendi kutusikiliza, sasa sisi peke tukasema, tunachukua madaraka yetu na tutazigombanishia sisi peke. Depuis lors, plus de l'armée nationale. Ok, à hapo, tu as dit si waweze kuwa na nguvu zaidi, na ndio tukaunda hicho kituo cha wa reserve ya majai. Et donc j'invite tout notre peuple de se mobiliser, vous les jeunes, mobilisez-vous, entrez dans notre armée nationale ou dans la réserve de la défense de l'armée. C'est comme Adolf Hitler, en ayant des visées expansionnistes, je lui promets de finir comme Adolf Hitler. Au second point, je voudrais vous parler de notre projet politique. Sasa tunaingilia mambo ya siasa ya nchi yetu. Comme vous le savez, le mandat dernier que nous avons entamé, difficilement. Oui, j'arrive. J'arrive, on va en parler. On va parler. Mambo ya dollar, musubiri. On va parler. Alors, je disais que nous avons commencé un mandat très difficile avec, comme vous le savez, la coalition FCC CASH, le CASH que nous composerions avec mon très cher frère Vital Kamere. Et nous avons connu deux années très très difficiles avec nos amis de la coalition FCC. Wakati nilipewa madaraka ya kuongoza nchi yetu, tulikutiwa na magumu mingi. Wakati mimi na ndugu yangu Vital Kamere tulianza, sasa tukakuta shida na hiyo mkusanyo tulikuwa nayo na FCC CASH. Mais cela ne nous a pas empêché de travailler pour le peuple congolais. Hiyo haikutuzuia kutumikia raia kongomani. Et donc depuis lors, nous avons mis en place la politique de la gratuité de l'enseignement primaire. Tokea hapo, tuliweza kuleta kwa jinsi masomo ya kuwe ya kutolipa, hiyo tunaita gratuité ya masomo. Et là, je vous fais un engagement ici, c'est celui, si vous me faites confiance le 20 décembre prochain, de passer à la gratuité de l'enseignement secondaire. Lorsque nous sommes arrivés, nous avions trouvé les réserves internationales de la République à 820-840 millions. Aujourd'hui, ces réserves sont à près de 5 milliards de dollars grâce au travail que nous avons fait. Wakati tulifika, tulikuta kama akiba ya sanduku ya pesa za kigeni ilikuwa karibu milioni 800. Leo hii tunavuka miliardi
nous. Lorsque nous sommes arrivés, le budget de la République tournait autour de 5 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards de dollars. La ville est vide, Pesa za kutumikisha, zilikuwa karibu kando kando ya miliardi tano, leo tunafika miliardi kumi na sita kwa mwaka. Tout cela démontre que nous sommes en train de progresser. Ile yote inaonyesha kama tunaenda mbele, tuko tunasonga mbele. Au niveau de la santé que nous avons placé comme priorité au cœur de nos préoccupations parce que la santé des Congolais est importante pour qu'ils reconstruisent ce pays, nous avons aussi mis en place la couverture santé universelle, c'est-à-dire l'accès aux soins de santé pour toutes les Congolaises et tous les Congolais, quelle que soit leur condition sociale. Kwani mimi afya ndio kabisa hitaji langu la kwanza, niliweza kutumika kwa jinsi tuliweka hiyo tunaita couverture ya santé universelle, ni kusema watu wote watunzwe bila malipo. Et depuis lors nous avons commencé avec la première catégorie de la population la plus vulnérable, c'est-à-dire les mères et les enfants. Et nous avons commencé par la gratuité des accouchements. Nous avons mis en place un programme de développement de tout notre pays au même moment, au même rythme que nous avons baptisé le PDL 145T, c'est-à-dire le programme de développement local des 145 territoires que compose la République démocratique du Congo. La ville est vide, tu l'oué Kamupango. Il y a un délai katika inchi yetu, ambayo inaanzia fasi yote kwa kila territoire yetu, kufuatana na territoire zote, 115 kwa gisi, huko maendeleo yote, ianze mara moja na iende mbele. Et c'est à travers ce programme, chers compatriotes, bana vokabu, bana vanda, je vais le consacrer à développer ce programme et ainsi à développer notre pays. Ndiyo mana, nasema, muniaminie, munichague mara ingine, mutaona kama hiyo kipindi, hiyo mipango ya maendeleo ya teritori zetu zote itaenda mbele, nyinyi munisindikize vile vile kwa jinsi twende mbele pamoja. Parce que à travers ce programme, il y a un grand chantier de construction des infrastructures. Nous avons besoin de routes pour développer notre pays. Sans les routes, nous n'y arriverons pas. Ndiomana tukona mpango mkubwa ya kutengeneza mabarabara zetu. Kwani bila barabara hakuna kitu tunaweza kutimiza. Et pour ce qui concerne particulièrement le Sud Kivu, il y a un projet qui me tient à cœur, c'est celui de la construction de la route qui va partir de Bukavu en passant par Walungu, Mwenga, Kasongo, jusque dans le Kasai oriental en Brisbane. Naingi Kouari à Zimbo, l'étou la Sud Kivu, barabara ambayo naona ni ya muhimu sana, ni inatokea hapa Bukavu, inapita Walungu, inaenda mpaka Mwenga, mpaka vile tafika katika jimbo la Kasai ya Mashariki. Et ce ne sont pas des paroles en l'air, les financements sont déjà là, les travaux vont bientôt commencer. Sio agano, sio kuaga ya bure, kwani pesa ziko tayari, kwa jinsi kazi ziweze kuanza za hiyo barabara.
Le vice-premier ministre du temps quand même me dit bien que ça a commencé déjà. Voilà. Et la premier vice-président, non, vice-premier ministre Wetu. Vital Kamerhe anatuambia kama pesa ziko tayari na kazi itaanza. Dans le même programme, il y a un volet important qui concerne l'agriculture et la construction de routes de desserte agricole. Kufuatana na hiyo mipango ya maendeleo, huko pia makazi ya mlimo yenye itafuatiwa na kutengeneza mabarabara hizo za kupita katika mashamba zenye kuleta mlimo na matuo mazao ya mlimo katika vijiji. L'objectif de ce programme c'est de transformer nos propres productions agricoles en République démocratique du Congo et ainsi de pouvoir créer de la richesse et des emplois pour les jeunes et surtout pour les femmes. Ukombo wetu ni kusema wakati kuna mazao yanatoka katika mlimo tuweze kuyatumika na kubadilisha kwa jinsi iweze kuleta faida na vile vile utajiri kwa watu wote. Je vous ai entendu parler du dollar ici. Le dollar n'est pas une monnaie congolaise. La monnaie congolaise, c'est le franc congolais. Si nous avons toutes ces souffrances, c'est uniquement parce que nous avons placé nos espoirs, nos attentes dans une monnaie qui n'est pas la nôtre. Et nous-mêmes, nous produisons tellement peu que nous sommes obligés de recourir à cette monnaie qui n'est pas la nôtre pour importer des matières que nous pouvons nous-mêmes produire en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous affaiblissons le franc congolais et nous confortons toujours le dollar. Moi, je vous propose d'inverser cette tendance et de donner plus de force au franc congolais et plus d'emplois aux Congolaises et aux Congolais. Bukavu nyanya, Bukavu mnalala, mnafurahi, mlimwona President Felix Tshisekedi, mnajali bendera yake ni ngapi kwanza? Population, il y a Sikivu, la raïs Tshisekedi,
tumpatie confiance. Ya mara ya pili le 20 décembre na kama nafika mche mkono juu na muhakikishe mapambano ndio kuendelea. Tukamwambia rais anasema eske mnachua namba yake ni ngapi? Ni ngapi kule? Mikono juu kwanza juu ya rais. Rais anasema
kukufa, tutakufa, me tutakanye, chumu yurasie, na mukawa viko nae, mikono juu. Alors, je vais terminer cette adresse en invitant la personne que vous m'avez fait le bonheur de me confier comme la compagne de ma vie, celle qui m'a donné de très beaux enfants et qui est votre sœur. Tu as Kumarisa, Nicolas Mualika, où est le Nupatiaga, Kama Bibiango, dans la misère de votre Mazuri, dans la misère de nous, Niliko Tofu et nous. En tant que Romesha, Dada et Nicolas Tchou, Dieu Pokéna Dada, Nicolas Tchou, Marakele, Nicolas Dada, Yahoo et Dada. Ça vient.